ce dogme du pape Benoît XII au Moyen Âge qui affirme que, après la mort, il est trop tard pour être sauvé. C'est un dogme solennel, c'est la constitution Benedictus Deus, où le pape, je dirais suite à une opinion inverse de son prédécesseur à titre privé, se prononce au nom de l'Église catholique en engageant l'infaillibilité. Que penser de ce dogme? Est-ce que ça veut dire que tout homme qui arrive après la mort comme arrêt du cœur, sans la grâce, quelle que soit la cause, est damné pour l'éternité? Eh bien, la réponse est oui. Un dogme, ça engage l'infaillibilité de l'Église. C'est un repère certain qui engage l'Esprit Saint et il ne peut pas être changé. Tout le problème maintenant, c'est que c'est aux théologiens de réfléchir au dogme avec précision. L'Esprit Saint, il donne ses repères et pas plus. Eh bien, il y a eu deux interprétations, deux compréhensions de ce dogme. La première, celle de saint Thomas d'Aquin. Il a vécu avant le dogme, mais peu importe, il le connaissait déjà. Et il dit que, après l'arrêt du cœur, aussitôt, donc lorsque se fait la séparation de l'âme et du corps, aussitôt, quelle que soit la cause, tout être humain qui arrive de l'autre côté sans la grâce est conduit en enfer pour l'éternité. À commencer par les enfants morts sans baptême. Ils n'ont pas de faute personnelle, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas la grâce et donc il en conclut. Évidemment, il dit qu'ils ne souffrent pas. Ce sont les limbes éternels. Ce sera rejeté par l'Église catholique, par le pape Benoît XVI en 2007. C'était donc une hypothèse qui n'allait pas. D'autre part, pour saint Thomas d'Aquin, les gens qui meurent avec un péché mortel de faiblesse, par exemple, en étant en train de tromper sa femme, la personne fait un infarctus. Elle est conduite en enfer pour l'éternité. Il vient comme un voleur, n'est-ce pas? Et évidemment, il y avait la question des païens, ceux qui ne peuvent pas avoir la charité parce qu'ils ne connaissent même pas le Christ. Donc comment l'aimer si on ne le connaît pas? Là, saint Thomas d'Aquin hésite et a un tout petit passage de trois lignes dans son De Veritate où il dit « Peut-être que Dieu pourrait, à l'heure de la mort, leur donner une apparition, comme il le fit pour Corneille dans les Actes des Apôtres. » Face à saint Thomas d'Aquin, il y a une autre sainte qui s'appelle sainte Faustine, qui vit au XXe siècle, qui meurt dans les années 30 et qui dit ceci, elle le voit de ses yeux. Elle voit que le Christ apparaît, ou une grande lumière apparaît, au mourant. Je dirais, dans le passage qu'est la mort. Et là, beaucoup face à cette lumière, alors qu'ils ne le connaissaient même pas, se convertissent. Mais, dit-elle, horreur, il y en a parfois qui, confrontés à cette lumière, en toute lucidité, maîtrise de soi, la rejettent et se damnent pour l'éternité. Cette idée d'une illumination finale à l'heure de la mort sera tellement suspecte au cardinal Ottaviani, donc à l'époque du pape Jean XXIII, qu'elle sera pendant un temps mise à l'index, avant d'être sortie de l'index et canonisée par le pape Saint Jean-Paul II. En fait, est-ce que son hypothèse est catholique? Est-ce qu'elle ne s'oppose pas au dogme du pape Benoît XII? La réponse est non. Simplement, elle prend le mot « mort » tel qu'il est employé dans la Bible. La mort est un passage qui dure un certain temps. Marthe Robin ajoutera même « il peut durer plusieurs jours » alors que, extérieurement, tout semble fini. Alors on pourrait se dire, mais le mot « mort », de quel droit peut-elle le prendre dans un autre sens que l'arrêt du cœur? Eh bien, tout simplement parce que l'Église n'a jamais défini le mot « mort » dans le dogme de pape Benoît XII, et donc c'est aux théologiens de chercher. Cependant, si la mort est un passage où le Christ paraît, alors tout devient simple. Seuls ceux qui, l'ayant vu, le Christ, l'ayant rejeté en toute lucidité, ayant commis ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint, en parfaite maîtrise d'eux-mêmes, seuls ceux-là vont en enfer. Alors se réalise la parole du Christ qui disait clairement « Tout péché, tout blasphème sera pardonné, y compris le blasphème contre le Fils, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. » Ça veut dire, ajoute saint Thomas d'Aquin, le péché parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. Cet exemple-là manifeste comment fonctionne la théologie. Il y a des repères de l'Église, aux théologiens de réfléchir, dans l'harmonie totale de la foi. Eh bien, on peut dire qu'un prêtre de Flavigny a émis une thèse pour défendre l'opinion de saint Thomas d'Aquin en 2016. Et il a eu l'imprimatur. Et moi-même, j'ai émis une thèse inverse que je n'ai pas soutenue encore, qui défend l'opinion de sainte Faustine, et elle a eu l'imprimatur. Qu'est-ce qui se passera au terme? Eh bien, l'Église tranchera. Et seule l'Église possède le charisme d'infaillibilité en la personne des papes.